Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors décidément, les enchères bateaux d'occasion cargo.co cartonnent sur ce salon nautique de Paris. Je vous propose de rencontrer tout de suite Maurice Duranton, le patron de Mercury Marine France, qui vient d'annoncer ce matin sur le Nautique de Paris un partenariat avec les annonces bateaux d'occasion du cargo. Maurice, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors décidément, vous êtes partout hein, chez Mercury Marine. Vous affichez en début de salon des ambitions, de très grandes ambitions sur le marché français. Et puis en plein milieu de salon, tac, patatras, nouvelle annonce, partenariat avec les enchères bateaux d'occasion. Comment ça s'est rapproché? Vous êtes rapproché les deux sociétés? Eh bien, il y a quelques mois, Gérard Daboville est venu présenter son projet à La Rochelle, à l'équipe. Et dès le début, on y a vu une opportunité pour notre réseau. On sait que nos concessionnaires ont des reprises de plus en plus grandes à faire et cela impacte leur trésorerie. Et on a immédiatement pu voir que cela pouvait les aider à écouler et à passer ces bateaux d'occasion de façon rapide et efficace. Combien de concessions, rappelez-nous, chez Mercury Marine en France ? Alors, il y a 160 concessions en France et on a le réseau de concessionnaires le plus grand dans le nautisme en France. Alors, rappelez-nous le concept des enchères bateaux d'occasion du cargo. Alors, c'est un concept qui permet d'organiser, de fluidifier les ventes de bateaux d'occasion. Et c'est tout simplement la mise en ligne par nos concessionnaires, par les particuliers éventuellement, de bateaux d'occasion à vendre. Et ça donne l'opportunité à l'internaute, aux futurs clients, de pouvoir consulter à distance ces bateaux, de pouvoir se rendre, parce qu'il y a un peu de temps avant de la vente sur le bateau, mais parfois même éventuellement y envoyer un expert pour expertiser le bateau. Voilà, tout simplement. Donc c'est une mise en relation entre les acheteurs, les vendeurs, et de façon moderne et efficace. Et puis après, il y a le temps de l'enchère. En fait, est-ce qu'on peut dire quelque part que ça organise le processus de vente des bateaux d'occasion ? Absolument, ça le rationalise tout à fait. Et de plus, cela permet tout simplement d'avoir une bonne idée du prix, de la valeur du bateau d'occasion qu'on en a sur le parc ou le parc d'un concessionnaire. Oui, parce que j'imagine que quand une concession publie les petites annonces, les réponses tombent un petit peu à chaque moment. Ça ne va pas être simple de répondre à tout le monde en temps réel. Alors que là, finalement, en organisant des temps de visite, des temps de discussion, en mettant en ligne des vidéos ou des photos, finalement, le travail du concessionnaire est énormément facilité. Tout à fait. De plus, il y a une équipe qui supporte nos concessionnaires sur le site du cargo. Cela est grandement apprécié par nos concessionnaires. Et encore une fois, oui, ça permet de pérenniser et de fluidifier l'intégralité de la vente et du processus de vente des bateaux d'occasion. Alors Maurice Duranton, ça marche quand ce partenariat? C'est d'ores et déjà opérationnel? Eh bien c'est parti, oui, ça y est, c'est parti. On a déjà un grand nombre, je pense que les concessionnaires Mercury sont les plus présents sur ce site déjà. Et on a plus d'une centaine de bateaux en présentation via notre réseau sur le site du cargo. Alors un de vos slogans hein, chez Mercury, c'est « Boating made easy ». Là, qu'est-ce que vous voulez dire à vos concessionnaires et aux plaisanciers? Eh bien, tout simplement, l'achat et le boating, mais aussi l'achat de bateaux d'occasion est aussi facilité par ce site-là et par Mercury. Merci beaucoup, Maurice. Merci, Nicolas.